Yo les gens, alors il est super tôt, il est genre 6h40, mais je crois que mon corps m'a dit de me réveiller maintenant, donc je me réveille maintenant. Et du coup on va prendre le petit déjeuner, tranquillement, mais la nuit a été courte visiblement pour mon corps, il a pas voulu plus dormir que ça. C'est trop beau en fait. Juste, c'est trop beau les gars. Mais ouais, du coup, j'ai dû payer. Mais vas-y, j'ai bien. Je sais pas combien ça fait avec moi, 4300 francs ici, parce que c'est en francs ici, c'est pas en euros. Bon, on va voir. Pour l'instant, on va manger, écoutez. On va manger tout ça, comme il faut. C'est terrible le reste aussi parce que tout est limité genre à 15 minutes, genre les trucs à tasse c'est hyper cher. Du coup, pensez à ma copine que je suis en train d'appeler et ça a coupé au beau milieu de la conversation. Mais bon, ça le réseau par contre, un peu chaud. Enfin bref, on s'est mis bien, c'est pas steak, jus de pomme, sans rien, jus de pomme le matin. Du coup, le programme d'aujourd'hui, on attend déjà Guillaume se réveille. Ça c'est déjà pas mal. Ensuite on va aller à l'aquarium de Nouméa normalement pour commencer à faire préparer tout ce qui est bande nage, parce que oui, on va faire nager des serpents, c'est ça le but de ce séjour, faire nager les serpents de mer, les tricoriers. Et du coup on va à l'aquarium de Nouméa, on prépare tout ça, on doit être au complet, donc il y a Xavier. Du coup, cherchant la question, et c'est pourquoi je suis là, qui arrive avec sa fille Margot aujourd'hui normalement, donc on se rejoint. Et ensuite, bah, c'est full travaux, full mise en proposition des protocoles et tout ça. Et puis normalement demain, on commence la grande aventure en prenant le bateau et en allant sur les îlots. Et puis en tant que Guillaume, écoute, on va chill sur la plage, au calme. Il y a une colonie de mouettes là, comme vous pouvez le voir, incroyable, ça s'envole et tout. Mais bref, on s'en fout. Et puis voilà, donc on va faire des belles images. Bon, ça y est, on est en direction de l'aquarium. Et Guillaume qui a passé une très bonne nuit, visiblement. Numéro du type. Oh putain, on a pas internet, on a pas le numéro, on a rien vraiment. C'est à 13h et il est. Oh, il est 9h. Il est 9h, frère. Guillaume se fout, il a forcé l'entrée, regardez-le. Y'a quelqu'un? Ah non, c'est fermé. Il y a vraiment personne. Sortie de secours, mais je vois pas d'autre en fait. On va attendre 4h du coup. Hein? On va attendre 4h. Bah, je sais pas. Il n'y a pas de wifi, la corde est fermée. Rien ne va vraiment. Il y a un réseau Burger King. Mais... Ah. Voilà, on se retrouve, on est vraiment au Burger King pour mentir du wifi. C'est ça les rangs, qu'à plus tu la carrière. Plein de soucis, demain ça ira. Je sais pas quoi prendre. Les chercheurs de qualité quoi. Ça marche ces gens. Putain. Mais non. Il y a vraiment des scolaires qui gâchent quoi. Il y a vraiment des gens qui sont en train d'entrer dans l'aquarium là. On les voit. Oh, on y reviendra à midi et puis ce soir. Ouais, c'est ça, vraiment, le QG. Merci. Déjà pour commencer, on va passer par là, venez. Ok. Là, on passe par le service secteur de l'U3 pour dans les poissons. Voilà, et. Ok. Ok.
c'est par là qu'on fait venir les poissons, quand on va ramener les serpents, quand on va faire tout ça par le camion. Bon bah nickel. Ouais c'est bien. Putain c'est stylé, on va tomber des requins. Peut-être que c'est moins large aussi. Ouais. Bon là-bas c'est un 60 cm de diamètre. D'accord. Et à Golem c'est... Hein, on peut essayer d'aller vers le centre. Ouais, on peut se balader. 10h. Putain il est que 10h. C'est... Comment ça s'appelle ça déjà? Je connais. Bon les amis, on a abandonné d'aller vers le centre, c'est beaucoup trop loin. Genre vraiment beaucoup trop loin à pied. On va se baigner. Je pense que la mer nous appelle trop, beaucoup trop pour qu'on se baigne pas aujourd'hui. Avant qu'on soit tous ensemble et qu'on puisse commencer à faire les petits recollages pour l'aquarium. Et avec un peu de chance, petite visite de l'aquarium aussi pour voir ce qu'il y a. Parce qu'il y a d'avoir des trucs trop bien. Voilà. Bon allez, ça part se baigner. Let's go. Voilà, moi je bouge plus maintenant. Bon allez, fin de la baignade. Go manger une pizza. On a faim maintenant. Pizza pasta. Bon, on a bien mangé. C'est bon, on va aller payer maintenant. Et puis normalement, Xavier nous rejoint. Et du coup, l'équipe sera au complet. Yo les gens, on est de retour après une sieste piégeuse, si je puis dire. Au moins, on va rejoindre Xavier avec Mango à l'aquarium. Bon, les petits potes, j'ai reçu du stuff. Comme vous pouvez le voir, je suis officiellement équipé grâce à monsieur Fred, qui est un ami de mes parents. Et du coup, j'ai reçu des lunettes et un chapeau. Hello. Ça va? Ça va. Ça gaz? Ça gaz. Salut jeune homme. Bonjour. Salut gaz. Ça va? Alors, c'est quoi cette histoire de changer le nom de le groupe? Salut. Changer le nom de quoi? C'est toi qui as changé le nom du groupe? Oui. Il s'appelle Hop. Tu as... Je sais bien. En plus tu m'as expliqué en anglais, gros. La réunion est terminée et on décolle demain au premier rideau. Bon, on va commencer officiellement l'aventure. Sinon, on va se balader, on va chercher d'autres tricots. On peut aller ouais, pour vers là-bas. Franchement, en plus, ça se couche. Ouais. On peut essayer. Ça m'a surpris, c'est vraiment premier piste. À la recherche des tricoriers. Parce qu'ici on est des herpétologues, on ne part pas dormir avant d'avoir trouvé des serpents. Bon bah écoutez, on va essayer d'aller dîner quelque part, de manger. Mais on est éclaté, c'est chaud. Et puis demain réveille tôt parce que. Réunion vers 14h, mais à 8h, il faut qu'on se lève pour aller préparer tout ce qui est mangé et tout ça. Bon, voilà. Au final, on s'est posé juste à côté de l'hôtel. On a pris, je prends un tacos et il prend un burger. On est vraiment sur un niveau waouh. On a bien mangé. Yo les gens, et bah, écoutez, jour 2. On s'est beaucoup réveillé trop tôt aussi, là. Ça vient à 6h vraiment. En fait, le soleil se lève vachement tôt ici. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se réveille tôt, je pense. Beaucoup. Genre, vraiment à 6h, il est levé et c'est plus en plein jour. Bon. Et aujourd'hui, du coup, là, on va aller faire les courses. On va aller chercher un tuyau qu'on va couper en deux pour faire le banc de nage. Et puis, cet après-midi, on rencontre plein de gens. On nous dit, ouais, regardez, on est scientifique. C'est chill, genre on va faire rien de sympa, vous en faites pas. Les mecs nous disent oui, et après, juste après la réunion, on embarque nos affaires, on va voir si on prend de valise ou pas, et on part sur le premier îlot qui est l'île Signal, qui est genre le plus proche, assez touristique. Et du coup, bah, on commence direct
à faire notre travail, parce qu'on y arrivera genre vers le soir. Et ici, le soleil se couche à 18h. Donc autant dire que nous, les serpents, on va aller chercher justement au coucher de soleil. Du coup, on arrive, dès qu'on arrive, on chope des serpents. C'est aussi simple que ça. Wesh, les frérots, on a fait une soirée agressée là. Je déconne même pas. Il y a un mec totalement défoncé qui est arrivé, qui a voulu se battre avec moi. Tout va bien. Mais du coup, voilà, le mec Denis, c'est particulier. Mais tout va bien, tout va bien. Le dit monsieur perturbé est parti. Et après vous, merci. On va au fond et on s'est mis. Salut. Ouais. Tu as fini ta baguette. La baguette magique. On en passe pour les valises. Bombastic side eye. Faut que t'arrêtes avec ça. Viens pour disparaître. Pourquoi? Sois discret. C'est pas très loin, tu t'es sur la route, on est sur. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. Là du coup, on est allé chercher le tuyau qu'on va mettre pour le bandage. Et on a une courante en ligne libre, et puis on va découper ça tranquille là quand même. C'est tellement satisfaisant. Là du coup, on a le bateau à plonger qu'on a loué. Et là maintenant on est en train de choper un petit truc pour l'équipement pour marquer les serpents. Donc voilà, ça se passe plutôt tranquillement. On achète et puis on s'organise. Et normalement après on va mettre nos affaires pour équiper le bateau. Et juste après, petite réunion à 15h30 avec les autorités locales. Puis après on part direct sur l'îlot. Voilà, et comme vous voyez, on a une petite nouvelle casquette. Scuba Pro, ça piquait d'un ton là. L'hôtel pour déposer les affaires à l'aquarium et amener la valise sur l'îlot. C'est la fin de l'hôtel là. Bon allez, là on va manger, une petite réunion, tout ça. Et puis voilà, à peu près c'est enfin le grand départ en bateau. Les valises sont prêtes, donc il n'y a plus qu'à remplir la panse et puis à décoller. Hours later. Il nous casse les. Allez Guillaume. On a trouvé un petit local. Ouais. Juste devant. J'ai même pas fini de débarquer. Bah non, on n'a pas le temps ici. Les gens vraiment, on vient d'arriver. Bon déjà, bon, c'est. Bon, que dire. Et on a déjà un genre. Il est trop mignon. Regardez-le. Il se cache. Regarde-toi. Il est adorable. Vraiment. Mais putain mais. Wow. Mais moi j'ai pas dormir de la nuit, hein. J'ai passé ma. Il est 2 mètres, il était en train de ramper. Oh, il est. Putain, il est gros le tien. C'est vraiment. C'est trop bien. Zéro difficulté à trouver quoi. C'est trop bien. En plus, c'est vraiment, tu les attrapes comme des spaghettis. Let's go.
11. 23 et tu m'as dit, j'avais recompris. 18h25. Merci, 18h25. Capture. Oh, tu peux prendre les étapes, non ? Tu vois partout ? Voilà. Ouais. Je prends une aussi. La spaghettos. Et tous les bagues. Peut-être tout. Ça, la province, c'est super. Eux, ils détruisent l'habitat. Bon, les gens, on en a déjà pas mal. Et on continue de chercher. On va faire tout le tour de l'île, c'est trop beau. Et comme vous pouvez entendre, on entend les oiseaux de mer, les puffins, comme on les appelle. C'est des bruits beaucoup trop drôles. Il n'y en a pas un là par hasard. Montre la caméra. Waouh, il est trop beau. Le bleu. Capturer et en vrai il n'y en a pas beaucoup apparemment, genre de base il y en a beaucoup plus ici, du coup impact de l'homme quoi, voilà. Donc chaud bleu, oh putain, bien vu, yassai, c'est bon, on est rentré et pas plus de serpents cette soirée. Bon, on va mesurer tout ça demain et puis voilà, on est entouré d'oiseaux.